l'ange me montre. And when the angel shows Dieu m'avait dit un jour. God told me one day. J'étais encore à l'école. I was still au séminaire de théologie. At the theology. Le Seigneur m'a dit en vision. The Lord told me. Je devais aller prophétiser quelque part. I was to go. Il m'a dit va prophétiser. He told me go and prophesy. Et c'était une femme avec son fils. And it was the woman with her son. Et Dieu m'a dit, dis à cette femme, elle n'aura jamais de fils. And God told me, tell her. J'ai dit à Dieu, she will okay. never have a son. Voilà son fils, tu dis qu'elle n'a pas de fils, elle n'aura pas comment. That's her son. Dieu m'a dit, va dire. God told me, je suis arrivé devant la dame et je lui ai posé une question. Et si Dieu te disait que tu n'auras pas de fils avant de mourir, and if God told you, you will have ce n'était plus la même prophétie. It was not je me suis couvert, je me suis protégé. Et la dame m'a répondu dans la vision, voici mon fils. J'ai dit à Dieu que tu vois, heureusement je suis sage. Je ne lui ai pas dit qu'elle n'aura jamais de fils. J'ai dit que et si tu n'avais pas de fils. Et la parole de l'Éternel m'a été adressée en ce terme. Insensé. Ce fils n'est pas son fils biologique, mais son fils adoptif. Dis-lui qu'elle n'aura jamais de fils biologique. Mais comme moi, je serai pour elle plus que 10 fils. Et je lui ai dit, madame, vous n'avez pas enfanté, c'est un fils adoptif. Elle s'est mise à pleurer, elle est tombée à genoux. Et Dieu m'a dit le jour-là, lorsque je te dis de dire une chose dans la vie de quelqu'un, dis cette chose même si elle n'a pas de sens pour toi. Amen. Dis juste ce que je te dis. Ça aura un sens dans la vie de celui à qui je parle. Amen. Attends, si je vous parle, je parle if de part. Vous avez dit, vous ne connaissez pas Simon, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai remis la prophétie dans son contexte temporel. C'est ce qu'on appelle la prophétie temporelle. What is called a temporary prophecy. Et j'essaie d'exposer la chronologie. Je vous ai parlé. Ok, d'accord, vous ne connaissez pas Simon. D'accord, ce n'est pas un problème. Okay, it's not a problem. Valérie, c'est votre ami. Valérie, oui, d'accord. Yes, ouais, right. C'est ce qu'on appelle. That is what is called. Le baromètre prophétique. A prophetic barometer. Le baromètre prophétique, c'est, la, prophetic c'est barometer l'unité de mesure de la prophétie. Unity of measure of the prophecy. Vous ne connaissez pas ça. You don't quand je l'ai vu, elle dit, elle ne connaît pas Simon. Seigneur, c'est qui? Laissez-moi vous donner une leçon de prophétie. Let me give you a prophetic lesson. Elle, c'est qui? Who Simon, c'est qui? Who is Simon? Et Dieu m'a dit, ok, d'accord. God told me, all right. Simon. Simon. La draguée. Elle était avec son amie Valérie. She was with her friend Valérie. Maintenant le baromètre prophétique. Now the prophetic barometer. Valérie c'est qui? Who is Valérie? J'attends que tu me dises c'est mon ami. Yes, si tu dis c'est ma soeur, ça veut dire qu'il y a un problème. Sister, dès que tu dis c'est mon ami, maintenant je peux remettre la prophétie dans son contexte. Amen. In its context. C'est ça qu'on appelle le baromètre prophétique. Amen. Lorsque le prophète Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, il arrive, Dieu dit non, Dieu dit non, Dieu ne lui donne pas le nom de David. Il utilise le baromètre prophétique. He uses the prophetic barometer. Est-ce qu'il n'y a pas un autre enfant? Child. Il dit oui, il y a un. C'est une fille ou un garçon? C'est un garçon. Il dit c'est lui. He says he's the one. Il sait que c'est de cette personne. He knows it's that person.